Bonjour à tous. Alors ok, comme je vous l'avais dit, j'avais fait Sonic 3 mais je ne l'avais pas acheté, pour plutôt attendre le fameux Sonic & Knuckles. Et au final, entre le jeu en lui-même et les différentes utilisations du lock-on, j'étais loin de regretter mon achat. Mais il me restait encore une étape pour découvrir tout ce que cette cartouche avait à offrir. Et pour en faire l'expérience, j'allais enfin devoir retrouver une cartouche de Sonic 3 afin de le compléter de sa deuxième moitié et profiter de ce jeu complet que j'appellerai désormais Sonic 3 & Knuckles. C'est parti pour une nouvelle chronique. Alors qu'on se le dise immédiatement, Sonic 3 & Knuckles, ou S3K, est la version définitive de Sonic 3. Rassurez-vous, nous sommes loin d'un simple DLC physique puisque chaque cartouche représente une moitié du jeu, et une fois assemblées, les features les plus intéressantes de chaque jeu fusionnent et subliment cette aventure dantesque qui, une fois complète, représente un total de 12 niveaux. Les deux aventures assemblées sont donc accessibles d'une seule traite, et il est désormais possible de les parcourir, parfois pour la première fois, par l'ensemble du casting. Les niveaux de Sonic 3 sont donc pour la première fois jouables avec Knuckles, et de même pour les niveaux de Sonic & Knuckles qui peuvent enfin être explorés par Tails et ses capacités de vol acquises dans le précédent opus. Et autant vous le dire, on est loin de l'intégration bancale de Knuckles in Sonic 2, puisque tous les niveaux sont vraiment conçus pour être parcourus par nos trois personnages aux capacités bien différentes. Idem pour ce qui est des variantes des bonus stages qui sont aussi toutes présentes, tout comme les niveaux Blue Sphere qui sont toujours là et qui permettent de récupérer les émeraudes. En parlant de ça, puisqu'il était possible de récupérer 7 émeraudes dans chaque jeu, ici il vous sera possible d'en récupérer 14 grâce à l'apparition de 7 super émeraudes après avoir fini les 7 premiers stages spéciaux. Grâce à ça, il sera alors possible de découvrir une nouvelle forme pour Sonic nommée Hyper Sonic et même de découvrir au passage Hyper Knuckles et Super Tails. Oui, alors Tails n'a pas de forme hyper, allez savoir pourquoi. Une chose est sûre, l'aventure est bien plus fluide et le jeu gagne en intensité. L'association des deux jeux semble immédiatement naturelle et on comprend bien que Sonic 3 était à la base un jeu bien plus ambitieux que ce qui est sorti. De l'histoire à l'enchaînement des niveaux, tout prend beaucoup plus de sens et tout paraît beaucoup plus logique. Par exemple, on comprend enfin pourquoi Knuckles s'en prend à Sonic pendant la majeure partie de son aventure. Et si rien n'a bougé côté graphisme et musique, c'est du côté des fins de chaque jeu qu'on retrouvera quelques surprises, comme quelques changements pour que les deux aventures s'enchaînent bien et ne semblent en faire plus qu'une seule. Et résultat, on se retrouve sans doute avec le Sonic en 2D de cette époque le plus gargantuesque et varié dans ce qu'il propose, et rare étaient les jeux de l'époque à proposer une aventure aussi longue et soignée. Et pour dire vrai, le petit garçon que j'étais ne s'y est pas trompé. Pour la première fois dans un Sonic, j'avais la sensation de visiter un monde organique et cohérent, et de suivre une histoire claire dont je comprenais tous les enjeux. Pour la première fois, j'avais envie de m'intéresser aux personnages secondaires de l'univers du jeu, comme Mecha Sonic ou Egg Robot, en plus de faire travailler mon imagination pour combler les quelques vides laissés par la technique de l'époque. C'est étonnant parce que c'est typiquement ce qu'avait essayé de faire Sonic CD, et j'étais totalement passé à côté. Sans doute parce que le level design de ce dernier n'allait pas dans la même direction, alors que Sonic 3 & Knuckles l'intègre parfaitement à l'univers qu'il propose, que ce soit au cœur des nombreuses scènes animées du jeu, ou même dans le choix des différents environnements du jeu qui à eux seuls racontent une petite histoire. Sans surprise, c'est ce jeu qui restera pour moi le pinacle de l'époque 16 bits, et encore aujourd'hui, je trouve que cette version intégrale est sans doute le produit le plus abouti sorti pour la licence Sonic, toute période confondue. C'est un formidable alignement des étoiles qui s'est produit cette année 1994, parce que toutes les bonnes personnes étaient réunies au bon endroit pour faire les deux morceaux d'un jeu qui allait devenir une référence pour beaucoup de fans, fans qui pourtant étaient pour la plupart encore tout chamboulés par la qualité de Sonic 2. Un sacré défi réussi et un jeu qui reste encore aujourd'hui à mes yeux l'une des pièces maîtresses de la grande histoire du hérisson que nous parcourons ensemble. Et tout ça alors qu'au moment où Sonic 3 & Knuckles sort, je rappelle qu'il n'a encore au compteur que 3 petites années d'existence. Voilà qui est prometteur pour les prochaines chroniques. Merci à tous d'avoir suivi cette chronique sur Sonic 3 et Knuckles. Je remercie tout particulièrement mes tipeurs sans qui cette émission n'existerait pas. Vous aussi, n'hésitez pas à soutenir ce projet et vous pourrez directement avoir accès aux chroniques exclusives dédiées aux séries animées Sonic. Si vous êtes fan de Sonic et que vous attendez les prochaines avec impatience, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu comme Sonic. Pour le reste, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle chronique.